Et bonjour tout le monde, c'est Favali. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader King 3. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure avec notre seigneur, notre grand roi, loup-garou, magicien, tueur. Ouais, c'est ça. Oui, bon, il y a eu beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup qui sont morts, ils ont eu attrapé la peste, ils ont même deux qui sont enfermés, ils ont déjà 56 ans et 87 ans, le mec. Bon, il est très très vieux, hein, très très vieux. Peut-être qu'il va peut-être mourir, peut-être qu'il va rester immortel, ou peut-être il... Bon, on ne sait pas, en tant que loup-garou, c'est compliqué. Attends. Il y a un mec de la rébellion qu'on a chez nous. Et on est en guerre avec des gens pour la rébellion qui sont chez nous, et on a capturé ce mec-là. Il est là pour la rébellion. Oui. Bah, je propose qu'une seule chose. Hein. Alors, on s'en réclame, c'est fait quoi ça? Il renonce à tout ça. Ça me paraît tout à fait potable. Tiens, on va faire ça. Clac. Ah oui, il n'y a plus de rébellion, sûrement. Non? Il n'y a plus de rébellion. Alors qu'il n'y a plus Eclem. Ah bah ah non, ils ont trouvé un remplaçant. Lui aussi, il n'a pas Eclem. Comment ça se fait? Ils n'ont pas Eclem. D'où ils essayent de... C'est impossible. Bon, d'accord. Oui. Ah, attends. On a une maître espionne qui nous aime pas du tout. Pas tellement nous aider, tout ça. On peut pas signer cette personne. Aïe, mince. Ah oui. D'accord, je vois. Bon, on va essayer de survivre. On va continuer avec l'agrandissement de notre royaume-empire tueur. Il y a des loups qui sont libérés. Entre-temps, on va essayer de continuer. Qu'est-ce que vous faites là? Une guerre d'indépendance encore, c'est quoi? Ah oui, mais ceux-là, ils vont se faire exploser, oui. J'avais oublié. Bon, aussi, on a tellement d'alliés qu'on sait plus quoi faire avec. On a vraiment trop d'alliés. Oui, mais ta faction dangereuse, le mec, il n'y a pas les clems. Théoriquement, du coup, c'est fini ta faction. Tiens, les paysans, c'est terminé. Le truc qui m'embête, c'est cette personne. Maître espionne, qui est. La 44, on va tenter. On a réussi. On a réussi. Clac. Désolé, maître espionne. C'est pas toi, c'est moi. Clac. Voilà. Il m'a trouvé une personne qui nous aime bien. Tout à fait. Toi, t'es parfaite. Voilà. Continuez à nous aider. Pas envie de mourir, hein. Notre fils est mort. La femme de notre fils est mort. Attends, on pourrait se remarier avec eux, mais on est déjà marié avec eux. Tiens, tu vas te marier à quelqu'un. Hop. Une magicienne. Notre fils. Clac. Excellent, parfait. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller déstresser, parce qu'on est déjà pas mal déstressé quand même. On est déjà pas mal. Et niveau magie, comment ça se passe? Rien d'autre. Niveau magie, non. On est bien niveau. Alors comme on m'a dit de montrer. Voici la carte avec la religion. Alors nos lieux saints, voici les bonus. Nous avons du stress, le point de stress, plus d'opinion des vassaux. On a aussi d'autres lieux saints, mais qui sont plus un peu plus loin quand même. Nous avons avantage des soldats. Dommage des soldats et un peu partout dans tout le pays quoi. Ici un peu ouais on va donner un petit peu de sans-piété et là en diplomatie. Ok, claire opinion aussi. Ouais, c'était un peu compliqué de montrer. Si et en plus il y a des guerres à côté qui se déclarent. Il y a encore des pouillus, il y a encore des rebelles. Attends, ah oui c'est normal ça. Il y a des rebelles bizarres indépendants qui veulent faire quelque chose. Alors ces gens-là. Les indépendants, on va révoquer leur titre, on va faire, merci pour les commentaires de la dernière vidéo, on va faire des duchés, on va commencer à promouvoir tous les duchés et promouvoir un peu partout la culture de notre terrain, parce que bon, la culture, on est time, ah non, on est ancienne builder, voilà, c'est ça, ancienne builder, et voilà, tout ça, c'est pas du tout notre culture, il va falloir bien moderniser tout ça. Hop, ici, on va continuer en diplomatie, on est à fond, enfin, on est à fond, on est à fond. Balèze. Clac. Rançonner. Rançonner. Voilà. Il est vassal aussi à rançonner. Il me sert vassal lui. Tiens, on peut te révoquer ton titre. C'est pas mal. Bienvenue. Et après, on te rançonne. On perd deux coups. On va le passer à qui maintenant? On va passer à mon fils. Tiens, je peux t'accorder un titre. Eh oui, parfait. Ouais, continue. Attends, comment ça se fait qu'on a eu du stress? On a... Ah d'accord, on a remonté en stress. C'est peut-être parce que j'ai perdu.
Un fils ou un truc comme ça. C'est ça. Très bien. Ok, on va essayer de voir. Là, il est un peu triste. Parce qu'il est déprimé, mais on ne vous inquiétez pas, il va arrêter de déprimer en quelques temps. Il y a encore des guerres. C'est qui cette personne qui veut hériter du royaume? Un peu vieille, 58 ans. Tu peux pas être converti? Je vais pas t'emprisonner, ce serait plus simple. Bon, on va pas tenter. Pas tenter, juste les guerres, c'est. Ces guerres là sont abusées. Le royaume va mettre du temps un peu à se moderniser, mais comme dans tous les jeux, et comme dans Crusader King 3 nous l'impose, il faut moderniser le royaume, tout simplement. Du coup, on va devoir mettre un peu de temps, détruire les vassaux. Alors, opinion. Ouais, tac. Tiens, toi aussi, il n'y avait pas notre vassal, notre allié qu'on pourrait appeler, oui. Venez, venez les alliés, venez, venez. Alors, pause. Il y a une armée qui fonce vers nous. Pause. Eux aussi, ils vont venir un peu. Pas de pas mal déjà. Il y a une armée qui arrive. Ah. C'est combien? Ok. Clac. Ils sont 600. On va se mettre ici. On a presque. Oh la vache. Un problème de soldat, vraiment. Un très grand problème de soldat. Tu continues à grandir. On pourrait faire une paix blanche, hein, théoriquement, avec tous ces gens. Tous ces pouillus, comme ça serait terminé. Ils ont vu la paix. Bah, de toute façon, tous les gens là, ils ont plus du tout de revendication. Parce que la personne qui revendique le trône n'a même plus la revendication du trône. On pourrait tous les emprisonner quand même. Tiens, dis, t'as pas de converti. Pas trop ça, mais bon. Perdre des armées alors qu'on pourrait. Ouais, c'est quand même sacrément. On a passé tellement de guerres que c'est abusé. Attends, ouais, secret, parfait. Très bien, on va faire une paix blanche. C'est parti. Eux, c'est fait. Une petite paix blanche avec eux. Comme ça, c'est fini. On aura les vassaux. Voilà, parfait. Les petits vassaux sont contents. On va continuer à améliorer. Ouais. Ah oui. D'accord. Notre chef, où est-il? Où je suis? Hop, ici. Hop, on prend la mer. Très bien. Et y aura-t-il d'autres personnes? Ça, c'est mon fils que j'ai fait hériter d'un patelin. Ici, notre armée. On va laisser tous ces gens. On peut encore évoquer des titres. Techniquement, je pourrais lui révoquer directement. Attends, pas ce titre-là. Ce titre-là, ça te va? Même avec un homme sans compte, toi. Révoquer, ça te dirait pas? Ah, il y en a plein qui voudraient pas. Hein. Pour l'instant, j'essaye que mon fils soit très puissant dans le royaume. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, mais bon. On a très peu de personnes anciennes builders. Part sont à zéro. Hein. La plupart sont à zéro ici. Lui, il est en pleine guerre totale chez lui. Il se tape dessus, d'accord, très bien. Continuez, continuez. Eux, bah eux, ils sont pas du tout notre religion et pas du tout dans notre royaume. Ces gens-là, pas très évoqués. Parce qu'on devrait créer des duchés, mais bon, pour l'instant, les duchés emprisonnés. 0% de chance de réussir. Et là, emprisonné, 39%. Donc, question de titre. Pas impossible. La plupart des gens, en plus, ils m'aiment pas. Pas forcément aidé. Attends, quoi? Ah oui, j'ai oublié. Nous armées, on va arriver petit à petit pour se faire exploser. C'est bien ça, ouais. Du coup, on va ramener nos troupes. On va les préparer à la bataille. Voilà. Ils vont faire le tour. Ils vont attendre un petit peu. Top, pause. Très bien, on va sortir l'armée. Oui, c'est une armée spéciale, je sais. Les loups-garous sont là. Est-ce qu'on a une chance là? Oui, on a clairement une chance, voilà. Parfait tout ça. Je suis plus au commandement de la bataille. Je suis plus au commandement de la bataille. Qui a été capturé? Personne. 98 ans, il est en pleine forme. Tout va bien. Ici, est-ce qu'une invocation de titre, ça tirait? Même pas. Être en prison. 20%, ça paraît impossible. Lui, prisonnier, 4%, impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Une guerre pour cette personne qui est toujours pas dans ma cour et qui je ne sais pas qui c'est. Oui, bien sûr, j'accepte l'invitation, je viens au mariage.
Vraiment, c'est 92 hommes de plus. Ouais, ça va être chaud cette bataille. Bon, on va devoir on peut pas ramener d'autres troupes à côté. Attends, ils ont. C'est vraiment les guerres usées, usées. Les mecs, ils ont plus de troupes. On peut plus. Voilà, presque rien, quoi. Les armées, c'est. Ça commence à être dur. Non, mais non. Devoir revenir en arrière. On n'a pas le temps, en fait, de rationner nos troupes. Qu'il y a déjà des d'autres guerres à côté. Comme là, il y a déjà une guerre de libération qui est préparée. Hop, maréchal, il est parti. On va en assigner un nouveau. Très bien. Vous venez. Parfois, on va vite finir avec cette guerre-là. Quoi? Ah, carrément, il nous rattrape. Ah oui, pour le fun. Les soldats qui sont en train de s'enfuir se font rattraper. Bon, on pourrait pas estorquer les sujets. Non, pas estorquer son sujet. Et bah, ils ont. Et allez, carrément, le commandant a disparu. Il n'y a plus de commandant, il est mort. Malheureusement. Ah, eux, ils vont pas quand même les rattraper. C'est pas possible, voilà. Eux, ils vont pas les rattraper. C'est quoi ça? C'est une guerre pour. Alors, c'est quoi? C'est une guerre de quoi? De quoi? Où ça? Comment? Pourquoi? Et. Très bien, voilà, du coup on a encore des gens qui sont libérés mais je sais pas pourquoi. On verra après. Peut-être tout enfui. Non mais ça me semble peu probable de réussir cette guerre, vu le taux de troupes qu'on a. L'usure de l'armée, normalement on est censé arriver à peu près à 1000 soldats, mais il y a eu tellement de guerres. De guerre pour reprendre des terrains pour parce que l'autre il était pas content. Tiens, je te passe des vassaux. Ça passe encore un petit peu. Voilà, lui parfait. Il a la bonne religion, il a tout. Lui, il est même pas dans notre territoire. Lui, il est qui? Lui, c'est qui? C'est déjà cette personne. Bah, tant pis. Ancienne. Ouais, bon. C'est à nous ça. C'est vraiment à nous tous ces gens-là. Mais non, vous allez vous convertir. Attends, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où ces personnes? Ils sont dans notre royaume. D'accord, ils ont été. Je pense qu'ils ont été annexés par d'autres personnes. Et depuis ils sont chez nous, mais. Mais bon, c'est pas vraiment rentable. Et puis non. Je refuse. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Bon, ici, la révocation de titre, on a une paix avec eux. Voir. Ouais, bah, on va enfin sortir nos troupes. Oui, il y a encore une guerre, mais bon, pas vraiment une guerre. Plus des paysans là-bas, il y en a 83. Ils sont rebellés. On va attendre tranquillement de pouvoir souffler, remonter les troupes. Voilà, ouh. Parfait. Tiens, demander la conversion. Eux, c'est un peu plus. La duchesse. Et bah, la duchesse, on peut pas révoquer le titre. Opinion, ou un peu. Ouais, on gagne un peu d'opinion. On peut pas faire de. On peut pas estorquer. On peut pas. On a pas d'argent. Pas d'argent pour l'estorcation. On a récupéré des îles. En fait, la plupart de notre territoire qui s'agrandit, c'est nos vassaux. Ils agrandissent eux-mêmes. Qui est quand même vraiment sacrément incroyable. Ici, est-ce que j'emprisonne? Non. Il n'y aurait pas une chance possible. Ah, je vais pas tuer, mais bon. Et pour son fils, qui est une autre religion, là, il y aurait une possibilité de convertir. Là-bas. Là-bas, nous on s'étend. S'étend le territoire. Alors, lui il est administré, lui il est pas bon. Lui c'est pas un bon roi. Lui, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon, on va continuer. Putain, on va passer des terrains. Voilà. Les vassals là, ici. Ah, c'est des vassaux qui sont même pas notre religion. Tiens, tu vas prendre ça. Ah, parfait. Merci.
Donnez 40%. Pourtant, il m'aime pas plus, hein. Mais bon. Il n'y a pas des anciennes builders ici. Cette personne ici, là-bas. Tiens, toi, t'as perdu ce territoire. Je te le redonne. Faut qu'ils aient au moins tous notre culture. Et après, ça sera largement mieux pour qu'ils acceptent. Et avoir des vassaux qui ne veulent pas déclarer la guerre, c'est bien. Clairement. C'est clairement très très bien. Comment ça se passe les rebelles? C'est rien, c'est quoi déjà? Ils veulent quoi? Quelques terrains, ouais. De toute façon ils sont à combien? 87. On va même te faire tuer peut-être dans quelques temps. On a 300. On essaie de remonter le plus possible nos soldats. Oui, il y a des problèmes. Oui, les gens n'aiment pas. Oui, ils sont pas très contents parce que c'est un tyran. Mais oui, mais il est tyran parce que très simplement, nous n'avons pas de puissance et on a dû emprisonner tellement de gens qu'on n'avait pas eu le temps de faire autre chose. Attends. Ah, le mec, il n'a même plus de. D'accord. Pause. Je pourrais te demander. Clac. Offrir. Ouais. Non, pas ça. Je vais te demander. Je pourrais t'éduquer? Ça pourrait être pas mal. La culture. À jamais. Je vois. Très bien. T'as un fils. Ton fils est déjà vieux. T'as un autre fils derrière. Est-ce que ce fils-là, il pourrait être éduqué? Moins 9. Moins 9. Okay. On va continuer. On va laisser le temps passer. On va passer. Eux, ils ont une enfant. Parfait. Un an. Du coup, ça veut dire que ce sera elle, normalement, l'héritière. Éducation, ça marcherait pas. Là, ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas de culture. C'est pas impossible, ces gens-là. Vraiment les premiers qui hériteront, et oh la vache, ils vont se diviser en plusieurs parties, ce qui est pas mal déjà, mais bon. De toute façon, la plupart, ils ne veulent pas déjà accepter. Ils ne veulent pas accepter d'être déshérités ou autre. Tiens, toi. Tout ça, moins 100. Le mec est un tyran. Oui, mais bon, c'est un tyran sympa. Excellent. Parfait. Et là, théoriquement, leur héritière, c'est cette personne. Non, même pas. Ah, qu'ils ont tous déshérité. Ah oui. Leur héritier, c'est celui-là. Ah, bah, attends, il demande la conversion au côté. Parfait. Parfait. Et bah, oui, aussi. Je l'ai aussi dans mes geôles. Bah, parfait. Bon sang, Clem, recruter. Voilà. Que demander de mieux? Le duché. Hop. Son fils. Après, son fils est déjà trop vieux. Une faction. Pause. Bah, la guerre est repartie. Il y en a qui ont des têtes bizarres. Pause. La guerre est repartie. Bien sûr, les mecs, quand même, on est arrivé comme ça. On n'avait pas du tout la bonne religion, pas du tout la bonne répartie et on s'impose en tant que chef. Du terrain. Peut-être on a vraiment aucune légitimité là-bas. Mais bon. Ils veulent pas. Ok, d'accord, c'est pas grave. Tiens, ici, voilà, ça fait une alliance de plus. Il y a qui d'autre qui pourrait être allié? Clac, parfait. Une alliance de plus, ça te dirait. Très bien. D'accord, il est. Ah, d'accord, il y a deux bonus, lui, carrément. Parfait, pause. Diplomatie. Oh là là là. On va appeler nos alliés à la guerre, c'est bien ça? Activité Election Kind. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour les élections. Mais... Ça va très bien. Attends, mon fils est potentiellement. Ah oui. Ah non, bah, mon fils est mal barré. Mon fils est mal barré. On peut faire des paiements. On va demander un paiement. Voilà, 500. 500. Parfait, on va continuer avec nos vassaux. Du coup, nos alliés, ils vont venir à toutes nos guerres. Qu'on puisse. Tiens, on va. Tiens, allez, tu viens. Tu viens. On a des nouveaux alliés. Parfait, bienvenue. Bienvenue dans les guerres. Alors, la porte, c'est par là.
Oui, vous allez voir, c'est très très bien. On s'amuse beaucoup. Oui, je voulais venir. Je veux bien aussi venir dans tes guerres à toi. D'accord, on déclare la guerre et du coup les autres, ils viennent dans les autres guerres des autres qui sont eux-mêmes dans la guerre. C'est bien ça. Ces personnes-là sont faites. Ceux-là sont terminés. Tout le monde est là, tout le monde est là-bas dans la bonne guerre. Ça a l'air. Pour l'instant, ça a l'air. Oui. Non, c'est bon. Oh, mon fils, il est vieux. 63 ans. Il va peut-être pas tenir. Je voudrais bien passer à peine 3 jours sans qu'il y ait une guerre. C'est juste ça. C'est le seul truc que je demande. Passer à peine 3 jours sans qu'il y ait une guerre. Mais bon, malheureusement, ce royaume n'est pas fait pour ça. Et la conversion sera dure. Il y aura des guerres, il y aura des morts, il y aura des conquêtes, tout ça qui est à fond sur la diplomatie, mais bon. Pour essayer de remonter, mais il est tyran, c'est normal, le mec, il est obligé de révoquer tous les titres. C'est qui d'autre qui est dans la guerre là, pour... Quoi, c'est... Ah, c'est une autre guerre, ça. Lui, ils sont pour... Ouais, eux, ils sont... Enfin, en fait, ils sont juste revenus, quoi. Ils veulent récupérer le kingdom, machin, pour le compte de cette personne qui n'est... Ah, qui est héritière. C'est bien ça. De toute façon, il y a à force, les gens qui sont héritiers ou héritières vont finir par tous mourir. 33 ans, une grande chance de mourir. Ça va peut-être terminer en fait avant même. Ah mince. Même du stress là. Clac. Les rebelles sont finis. Premier rebelle, terminé. Après, on remonte. Ah. Un mec sympa est mort. C'est qui va hériter? Son fils maintenant. Mon fils machin, est-ce que vous voudrait-il directement son fils? Il m'aime pas, hein. Incroyable. 29 ans, du coup, c'est son fils et c'est elle qui pourrait peut-être potentiellement hériter. Je sais pas pourquoi j'ai les informations de son fils. Attends, 98% de l'emprisonné et de chance d'avoir, hein, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. On va essayer de tenter. Ah, mais waouh. Ok, cette guerre-là. Et une micro-guerre. Ah, d'accord, non, c'est pas une micro-guerre. Il y a une guerre pour emprisonner. De toute façon, on va tous être emprisonnés. Il faut bien finir par quelque chose. Ah, c'est le duché de mon fils se rebeller dans un autre duché. Oh la vache. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ce que je voulais, c'était terminer et enfin pouvoir me reposer et avoir une paix, peut-être. Potentielle paix. Oui, il est tyran. Oui, il a emprisonné plein de gens. Mais c'était juste pour pouvoir les déshériter parce qu'ils faisaient le désordre. Ils étaient juste là pour le désordre. Nous, on est là pour rétablir. Non, non, ils veulent pas, d'accord. Ok, bah c'est la guerre. Voilà, ils veulent tous hériter l'un pas de l'autre. Clac. Ça qui est drôle dans ce play, c'est que vraiment là, il y aura. Ça va pas manquer de guerre, un peu comme là avec les Francs. Ça ne manquera pas de guerre. Et à la fin, il ne restera qu'un. Excellent, parfait, merci. On va prendre la ville. D'autres guerres? Non, il n'y a pas d'autres guerres. Parfait. On va emprisonner tous ces gens. Enfin, bon, il y a toujours. Eux qui étaient libérés, ils ne voudraient pas. Non. 47. Continue à renforcer les armées, mec. Hein. Continue. D'accord. Ils sont à peu près tous tyrans. Diligent, si tu veux. Groupe arrogant, tyran. Ouais, ancienne builder moins 10 déjà. Demander de conversion. Ouais, la plupart ils ont demandé de conversion, c'est pour ça aussi. Mais en tyran, ça fait mal. Ah ouais, il est vraiment un sacré tyran, quoi. Ouh là là là. Il y aura du travail. Il y aura du travail. Notre femme a 28 ans maintenant. On a d'autres enfants, on n'en a pas d'autres enfants pour l'instant. 91 ans. Hop, parfait, parfait. Parfait. Bon, on va avancer le temps. On va en finir avec ces gens. On est toujours en train de remonter notre armée. Attends, attends, pause. On est pas en train de s'assiéger. Non, parfait. Il n'y a pas de siège pour l'instant. Ah oui. Un scandale carrément à la cour. Un scandale, bon d'accord.
Y a qui d'autre? Une faction, machin, dark. Pour les comtés qui sont tous dark. Il y a plein de comtés dark en plus. Victoire déjà, une première guerre qui est déjà terminée, je sais pas comment, mais bon, c'est déjà terminé. Ils tapent dessus. Ouais, peut-être pour ça aussi. Ils sont en train de te taper dessus. Mon fils. Je vais. Désolé, mais bon. Oh, si tu veux. Continue à faire ton petite guerre, toi. Tiens, on va remonter la couronne. Perdre en stress. On va choisir de protéger Jackie, vu qu'il a un fils. Tiens, ça ne dirait pas que je sois son tuteur. Ah, quoi? J'ai pas le droit d'être tuteur. Attends, je suis tuteur de qui, moi? J'ai trop d'enfants à tuter, là. À tuteler. J'ai trop d'enfants, là. C'est pas possible. On peut pas renouveler. Arrêtez le tuteur, là. Tiens, on va trouver quelqu'un d'autre. Non, c'est juste que je veux pas être tuteur. Non, je ne veux plus être son tuteur. On va pas lancer des complots. Non. Non, on va pas lancer des complots. À 37 ans, mais comment est-ce possible que je suis tuteur d'une personne à 37 ans? C'est pas possible. C'est un problème. Ah, d'accord. Cette personne-là, j'ai que deux et j'ai déjà plus personne qui pourrait être tuteur. Ok, c'est vraiment dommage. Ils vont tous terminer dans les feux de l'enfer. Oui, mon fils, t'inquiète, un jour tu seras transformé en garou. Pour l'instant, ce jour n'est pas encore arrivé. Ah, d'accord. En train de mourir, ouais. Je comprends, c'est triste. Oh là là, oh là là. Opinion. D'opinion à chaque fois. Plus d'opinion, allez, s'il te plaît. Attends, tu m'adores. Emprisonné, non. Pas emprisonné. Révocation de titre. Est-ce que ça te dirait, je suis là. Même pas. Du coup, comme on disait, son fils pourrait tuteler. Mais il n'est pas tutelé parce qu'on n'a pas de personne potable qui pourrait tuteler, vu que nous n'avons même pas de personne de notre culture dans notre patelin. Tellement qu'il y a des problèmes de culture. Oui, on parle même pas comme le roi. Ça comprend. Ça se comprend vraiment, parce que si le roi il parle même pas la même langue que ses vassaux, ça... Qui lui? Mais arrêtez de nous rejoindre! Et puis forcément, ne nous rejoignent pas. Qui fait lui? Ils sont trop loin. Et on va arrêter, hop, ils vont se mettre là. Eux, ils vont faire leur petite guerre tranquille pendant que nous, on va prendre les terrains qui nous intéressent. Tiens, on a plus d'opinions, merci. Non, très sympa, je suis content que tu aimes bien le roi. 62% de chance, mais bon, déjà vraiment, vraiment mal barré, ce serait pas de lancer une autre guerre. Pas très convenable, on va rien tenter. Il y a des secrets à la cour. Qui est d'autre? Ouais, notre maître espion, il nous aime bien. Le maître espion qui est le seul duc. Attends, il est duc de quoi lui? Il est duc de ça? Attends, non, non. Juste avant son duché, il est où? D'accord, c'est toujours le même. C'est lui qui est très grand, hein, très grand duc, 81 hommes. Ah d'accord. Des problèmes de vassaux, il y en a qui sont ceux-là qui sont rebelles, sont super forts en niveau troupes, mais le reste non. Ils ont pas de soldats. Ils sont anti-soldats, ils n'acceptent pas avoir des armées, quoi. Hop, 94%. Innovation découverte. Oui, plus de bonus, on a découvert quoi? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On a Case Belly, après on pourrait faire ça, les livres. Les plans de cité, on les a, c'est bien. Ils ont pris la ville. Ah, ils ont pris la ville, mais nous on est pas dedans, et de toute façon personne n'est dedans réellement. Tiens, mes enfants, est-ce que mes enfants pourraient pas hériter? Si, je pourrais faire après. La vache, la tête qu'elle a. Elle est convertie à une autre religion. Elle est même pas chez nous. Bon, d'accord. Notre fils. Le fils du fils du fils lui-même. Qui est lui-même le fils d'à côté. Qui est lui-même son propre fils. Ok. Eux, ils sont en guerre. Y a qui et quoi qui sont en guerre avec moi? Et eux, ils ont pris le terrain, c'est bien ça? Même pas, je sais même pas ce qu'ils ont pris. C'est à qui ce terrain-là? C'est qui l'a pris? Ah, c'est bien eux, ouais, c'est bien ça. Ok, très bien.
Enfin, je prenne juste ma capitale et ça serait bien. Permet de prendre cette capitale. Hop, on va se mettre ici. On va attendre un peu. On va ramener nos troupes. Art dynastique, point de plus. La gloire, bien sûr, la gloire. La gloire, en premier, la gloire. Ça nous coûte combien de partir? 9 d'argent, de toute façon, on n'en a même pas 9. Il est malade. Ah, il est balafré, mince. Hop, clac. Le pouvoir, loup-garou. On va chercher. Putain, on a gagné plus de soldats en passant par la mer que. Bah, lui, il avait carrément plus de troupes, quoi. Ah, mais d'accord, il s'est fait exploser par d'autres rebelles. Dans 5 mois, on a terminé. Oh, il y a nos alliés qui viennent enfin nous aider. Waouh. C'est ça qu'il faut avoir une 3 tonnes d'alliés, parce que théoriquement, si nos alliés viennent pas nous aider, ça. Problème. Eux, c'est quoi? C'est la rebelle bizarre des personnes tout là-bas que j'ai jamais demandé, hein, qui sont rejoint tout seul notre royaume. Oui, on paye 10 pièces d'or si tu veux. Accepté, très bien, j'accepte de rejoindre ta guerre. Bien sûr, n'oublie pas de venir chez moi, faire un petit coucou à mes vassaux rebelles. Hop, eux, c'est fini. Très bien. Eux, c'est fini. Continue à augmenter la diplomatie, mec. Il a combien de niveaux? Ah, d'accord. 21 en diplomatie. 17, il va vraiment pas mal, hein, en mesure. Clac, alors lui, on va faire révocation de titre, désolé. Ouais, je sais. Boum. Après, on tronçonne. Non, après, on détruit. Voilà, on détruit, tout détruit. Non, ouais, on détruit. On détruit tout ce que t'as. Voilà, après, c'est bon. Du coup, ça c'est fait. On a qui d'autre qui pourrait être potentiellement recrutable ou potentiellement détruit? Lui. Là-bas, qui est pas du tout de ma religion, qui est de ma religion mais pas de ma culture, hop, il va partir. Cette personne, pareil. On va révoquer ton titre, désolé. On peut pas. Parce que j'ai trop de titres moi-même. Bon, on va le passer à quelqu'un. J'ai un fils, c'est bien ça. Un autre fils, qui est un petit-fils qui est lui-même un fils. Du coup, on va passer à cette personne. Clac, clac. On va passer le duché. Tout là-bas. On va te donner. On peut pas donner d'autres vassaux, d'accord. Très bien. Ouais, bon, on va regarder ces vassaux-là pour l'instant. Tu vas avoir 7 puissances. Tiens, on pourrait même te donner d'autres vassaux à côté. Comme celui-là, là. Qui servent à rien. D'autres un peu plus loin. Ici. Ici, non. Ici, voilà, celui-là, il sert à rien aussi. Très bien. Maintenant, nous allons passer ces terres. Révocation de titre. Vraiment, cette personne-là, on peut pas. Oui. C'est impossible de révoquer le titre avec cette personne, ok. Lui, le duché, il n'est plus duc. Voilà. On va pas tronçonner vu qu'on ne veut pas l'argent. Nous, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout l'argent. C'est très simplement la gloire éternelle. Il va être trop loin. Il faut que des gens de notre famille. On va mettre que des gens de notre famille. On va continuer. Lui, il est duc aussi. Lui, il a rien. On va donner un titre. Bam. On va donner le duché de ce mec-là. On va donner les vassaux. Ah, on a déjà les vassaux. Bah, tiens, parfait. C'est parfait. En plus, vu qu'ils sont de la même famille, à peu près, à passer. Mais qui est de tyran, c'est sûr. Bon, on peut que mettre les personnes de la même famille. Hein, mais bon. Et qui d'autre? Personne n'a de titre, autrement? D'accord. Demande la conversion, lui veut pas. S'il y a un assassinat. Parfait. C'est fait. Ici, on gagne des points. Ici. Renonce en Clem, recruter. Tu renonces en Clem, ici. Ici, pareil. Pas la bonne religion. Clac. Renonce en Clem, elle a quoi? Tout ça comme Clem. On peut pas te révoquer, t'es vraiment sûr qu'on peut pas. Voilà, vache. C'est nul, hein. Tant pis. Y'a qui? C'est qui après derrière? Sa fille. Renonce en Clem. Voilà, merci. Et lui, tout là-bas, il a quoi comme claim à renoncer? Celui-là et celui-là. Il n'a rien d'autre à part être le mari d'une comtesse. Très bien, voilà, bien, ça c'est fait. Ça va un peu plus aider. Dans les prochaines guerres. On a d'autres fils à passer quelques terrains. Mais vous allez nous adorer, bien sûr. C'est la dynastie qui gère le royaume. C'est carrément ça. Rien d'autre. À part la dynastie elle-même. La grande dynastie des Grulfeld. Ça marche pas du tout comme nom, mais non. C'est pas grave. Pas très très grave tout ça. Par contre,
Attends, on est enfin en train de remonter de nouveaux troupes. Mais c'est incroyable tout ça. Il y a quoi comme guerre? Il y a toujours la guerre tout là-bas. C'est loin, mais c'est loin. On pourrait les terminer. Hein, ceux-là. On va les terminer. Tiens, on y va. Et ceux-là ici, c'est quoi ça? Ah, c'est nos alliés ça. Ici, parfait. Là, de l'autre côté. Alors. Qui va hériter là-dedans, ce patelin? Parce que bon. Je dirais pas qu'il y a quelqu'un qui le revendique ou... Ah ouais d'accord, j'ai oublié. Tous les enfants, il n'y a que les enfants de ma dynastie qui ont cette culture. Oh la vache, on peut demander. T'acceptes? Eh ben non. 300 ans qu'elle ne veut pas accepter. Je sais même plus ça fait combien d'années qu'elle ne veut plus accepter, mais bon. Pas grave. Pas grave. On reste toujours debout. On se bat. Juste debout pour sauver la dynastie. Eh oui. Tiens, oui, on accepte la guerre. Et on va finir cet épisode là-dessus. Sur un empire, un royaume qui se développe, oui, certes, mais qui se détruit au fur et à mesure. Là, il y aura toujours des pertes dans la guerre, il y aura toujours des personnes emprisonnées. Bon, là, normalement, les vassaux vont peut-être un jour commencer à potentiellement, oui, bon, il y a des problèmes au conseil, il y a des tyrans, il y a tyrans moins 196, oh la vache! Ça fait mal, il y aura du désordre, il y a du désordre déjà. Il va falloir quand même sacrément réduire la tyrannie. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. On se revoit très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, c'est Fabali, au revoir.